Ladies and gentlemen, regarde la nouvelle vidéo YouTube. Oui, là, encore une vidéo de réaction. Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment, je prépare un gros concept. Et oui, je spoil, ça parle de coiffure. J'en dis pas plus, non, je veux pas. Non, je ne vais pas dire c'est quoi. Non. Arrêtez, je m'éloigne. Arrêtez, stop it. Tu es cringe. Je vais pas spoil, mais ça parle de coiffure. Bref, les gars, j'espère que vous allez bien. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne tout de suite. On est 430 000, hein. Bientôt les 500 000, je sais pas compter ou quoi. Non, bientôt les 500 000, voilà. Le 5, la moitié du million. the moitié of million. Comment on dit moitié en anglais? Putain, je m'affiche là. Putain, comment on dit moitié? Google Traduction. Je sais comment on dit, hein. Je sais. Google Traduction. Français, moitié. Half. The half of million. Half million. Bref, les gars, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, le bouton rouge qui s'affiche là. Voilà, cliquez, par pitié, je vous en supplie, sortez-moi de la dèche. Sortez-moi de la hesse, les frères. Sortez-moi de la pauvreté, pitié. C'est le mec, il est à fond et tout dans son délire. Bref, les gars, posez votre like avant que ça commence. La vidéo va être incroyable, je suppose. Installez-vous, popcorn, boisson, chips, et on est parti. Aujourd'hui, les gars, ce n'est pas le jour où tout a basculé, c'est Confession intime. Le titre, sa jalousie extrême tue complètement leur couple. Il n'en peut plus. Et on est parti. Tu sors pas maintenant, y'a trop de Ouais, c'est pour les jeans pommes. Attends, tu veux pas demander son numéro aussi? J'avais dragué une petite minette, moi. Non, je plaisante, c'est genre. Là, c'est bon, tu fermes ta gueule, arrête de te foutre de ma gueule. Oh putain, purée. Mais elle a craqué. C'est que l'intro, elle est déjà malade. Mais doucement, la jalousie, doucement. On a dit, faut être possessif, faut garder son petit chéri, sa petite doudou, d'accord. Mais là, c'est un peu abusé quand même, madame. T'arrêtes de regarder devant moi déjà, tu me respectes. Oh bah oui, chérie, tu pleures. Tu veux de l'aide? C'est bon là, je fais rien de mal là. Bah si, tu m'attends. T'avances tout droit, tu regardes tes pieds. Ouais, la beauté, elle veut rien savoir. Elle regarde même pas une autre fille. Elle regarde même pas rien dans son entourage, dans son périmètre de sécurité. Il doit pas avoir de fille. Oh non, le beauté marche comme ça. Oh, c'est trop de la D. Oh putain. Tu regardes à gauche là, tu regardes le petit train. Ouh là, il y a du monde. Ouais, c'est ça. Franchement, t'es un gros con. Je suis énervé. Ouais, mais attends, mais pourquoi elle est violente? Moi, je veux savoir le nom de sa copine là. Dites-moi son nom et dites-moi son nom au garçon là. Leur couple, j'en peux déjà plus. 1 minute 3 de vidéo, j'en peux plus. Anaïs et Sylvain. Anaïs, je vais être sur tes côtes. Sylvain, j'espère que tu fais pas de bêtises, hein. Toi aussi. Elle ne supporte pas que son homme puisse regarder les formes sexy d'autres femmes. Après, ça c'est normal, wesh. Ça c'est normal. T'es une fille, tu veux pas que ton garçon il regarde d'autres filles. Comme à l'inverse, t'es un garçon, tu veux pas que ta femme ou ta copine regarde un garçon. Ça, je suis d'accord, quoi. Dis-moi le problème là. Le problème, c'est ça, c'est les filles qui sont à poil, c'est tout le temps la même chose. Tu choisis des magazines toujours avec des maillots. Excuse-moi, c'est des meufs. Mais t'as vu, vas-y, Sylvain, il en joue. Tu sais très bien, ta femme, elle est jalouse. T'es là, tu montes des magazines avec des femmes nues, etc. Sylvain, à ton grand âge. Mais son maillot de bain, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je vais te dire un truc, on va être à la maison, je vais déchirer les pages. Oh bah oui, c'est vrai que ça vaut le coup. Bah oui, vas-y. Elle a dit quoi? Elle a dit que si Sylvain il prend un magazine avec des meufs, elle allait déchirer les pages. Mais elle est malade. Anaïs, doucement Anaïs. Quoi, c'est ton gars ou c'est un coffre-fort? J'ai pas compris là. Tu me saoules. Ouais, bah toi aussi tu me saoules. Au revoir. Oh non, c'est pas bien. Anaïs, 19 ans, et Sylvain, 29 ans, sont en couple. Et tout ça d'écart. 19 ans, 29 ans. Mais j'espère qu'ils sont en couple depuis un an là. Sont en couple depuis 4 ans. Mais il y a un souci, attends. Attends, les calculs sont pas bons là. Sylvain, les calculs sont pas bons. Anaïs a 19 ans. Sylvain, on a 20. Ils étaient en couple il y a 4 ans. C'est-à-dire que... Anaïs avait 15 ans et Sylvain en avait 24. Mais Sylvain est un pointeur. Ah, Sylvain va faire foutre, gros. Voilà, maintenant on est anti-Sylvain cette vidéo. Vive Anaïs. Au début j'avais de la peine pour Sylvain, mais c'est mort. Non. Ici on tolère pas ça. Jamais. Il est fou, quoi, lui. J'ai des sentiments pour elle. Pour Sylvain. Ah là, ils vont faire les magasins. Là, ils vont faire les magasins. Bellec, elle est jalouse de la vendeuse. Pas à ce point là quand même, Anaïs, quand même. Doucement. Et tout tour et entrer ainsi dans son jeu. Ouais, c'est pour les jeans hommes. Attends, ma gueule là, c'est juste devant tes yeux, t'es obligé d'aller voir une nana pour demander d'où tu parles avec les filles quand je suis à côté de toi. Tu crois que tu me respectes? Non, je regarde. Non, mais tais-toi, tu me respectes, oui ou non? Si Anaïs, il te respecte là. Sur l'objectif. Tu demandes juste où est le rayon homme. Anaïs, Loulou. Tu m'aides à trouver des trucs qui te plaisent au lieu de parler. C'est qui au téléphone encore? Attends. Oui, allô? Oh, le sein, ça va ou quoi? Ça roule. Lorsque la jalousie s'empare d'elle, Anaïs...
Elle était au bout du magasin. Elle est partie voir jusqu'à dans les cabines pour voir c'était qui sur son tel. Guettez le petit coup d'œil. Parce que la jalousie s'empare d'elle. Tu parles à aucune meuf, c'est simple. Ou il faut que je te fasse un dessin là. Ah, ce genre de relation c'est toxique les gars. Pour ceux qui voient la chose en mode non, mais elle a raison, elle a pas raison. Wesh, il parle juste à la vendeuse. En mode ouais, mais moi j'aime bien ce t-shirt, il coûte combien? Il est fait en coton ou en laine? Simple. Anaïs elle pète sa tête frère. C'est-à-dire, imaginez Anaïs elle est jalouse parce que son gars il parle à sa mère. Non mais tu parles pas à une meuf et tout, mais même si c'est ma mère, c'est la jalousie poussée. À un moment je vais t'en coller une. Ouais, bien sûr. J'ai le droit de parler à ma soeur ou des trucs comme ça quoi. Oui, à ta soeur. Ah, mais c'est bon, alors sinon... ça va. On est... Sylvain, c'est un amateur, il se la casse! Il se la casse de ouf! J'ai le droit de parler à ma soeur ou ça aussi je peux pas? Non, 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 Sylvain, tu nous verras pas. Sa vanne était pas drôle, tous ceux qui ont rigolé, on vous a vu. Tu vois, la technique de drague, ils sont légitimes juste pour pouvoir parler. Non, je reviendrai. Non, du coup, petit, je reviendrai. Oui, mais regardez, voilà. Tu peux pas demander son numéro aussi? Ou son MSN, ou je sais pas, non? Ça, c'est encore ton frère qui t'appelle au moins. Oui, allez, vas-y, là, vas-y, tu vas m'énerver. Non, mais c'est toi qui m'énerve. Vas-y, regarde les produits. Ah, mais non, mais ça me fait de la peine. Il est mignon et tout, elle aime, il s'aime. Pourquoi ils sont en embrouille? Doucement. La jalousie, faut doser, on a dit. Anaïs, il a dit qu'il a... Bon, après, Sylvain, il a dit qu'il allait repasser pour faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux pécho? Tu veux pécho? Moi, je suis Anaïs, moi. Anaïs, elle a raison, en fait. Anaïs, Anaïs, Anaïs. Tout le monde ensemble, tout le monde ensemble. Bah, ça fout une mauvaise ambiance dans le magasin. Non, Sylvain, il est drôle. Mais non, 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 j'avais oublié. Non, Sylvain, il est pas drôle. C'est juste sa remarque, là, c'était pas en regarde. Il y a un blanc. Bah, ça fout une mauvaise ambiance dans le magasin. J'ai l'impression que Sylvain, il a le regard sur des salopes. Il a le regard guide. Ah, je suis fini de me flop ou que vous... T'habilles provocante, donc forcément, Sylvain regarde. Ouais. J'appelle ça des brise-couples. Des brise-couples. Je pense, hein. Je pense que... Contre son corps. Je pense que tu es aussi une brise-couple. Contre son corps, Maïdji. Contre son corps. Pardon. Je la provoque parce que c'est devenu presque un jeu mesquin. Mais t'as 29 ans, marie-toi. Je sais pas, va faire des enfants, fais un truc. Toi, tu me fais bégayer. Tu me fais bégayer. 29 ans, t'as pas de barbe. Regarde mon âge, look. Look at this, Sylvain, look. Dans les yeux, Sylvain. Que ça sert à rien. Et je vais la taquiner à un point où elle va exploser. Mais ça marche pas ce que tu fais. Là, tu lui donnes juste ce qu'elle veut en fait. Tu lui donnes juste ce qu'elle veut. Tu ne peux pas résoudre. Non. Tu peux pas. Comment on dit? C'est pas... Bref, fuck. Pour à la maison, loin des supposés rivales d'Anaïs, Sylvain profite d'un peu de calme pour tenter de ramener Anaïs à la raison. Ok, c'est bien. C'est ça qu'il faut faire, voilà. Dans un couple, la base, c'est la discussion. Il faut parler. Quand il y a un truc qui va pas, chérie, il y a ça que j'ai pas aimé, c'est ça que j'aime pas, voilà, je te le dis. Et inversement, les filles, communication, la base du couple. Ouais. Vous me dites si vous voulez une vidéo sur le love, Dr Love. Mon numéro, ça fait justice. Pardon, j'arrête de faire ça, pardon. C'est normal que tu me laisses un peu de liberté. Non. J'ai le droit un peu de m'amuser aussi. Non. Sans tromper. Ah, Sylvain, il est là le souci. Il est là le souci. Sylvain, il a dit que oui, j'ai le droit de m'amuser. T'es pas censé faire ça. Tu demandes tes vêtements, point. C'est tout. Tu demandes un renseignement, point. Y a pas de... Je veux leur parler, un petit jeu de séduction, quoi, en mode peace. Non, ça marche pas. Le message est clair, Sylvain n'envisage pas d'aller plus loin dans ces conditions. Bah, la jeune ouais. femme le sait, mais elle est incapable de se contrôler. Avec le cousin, ça va nous faire du bien. Elle a trop la rage, guettez sa tête. Alors putain, il va partir, il y aura d'autres effets. C'est suspicieux. Avec le cousin, ça va nous faire du bien. Entre mecs. Ouais, mais pas 3 heures. Ah, ok. En plus, son cousin, c'est un lover. Hein. Il a tout dégainé, son cousin. Ouais, ok, je t'appelle. Oh là là, son cousin, l'aspect, hein. Écharpe, bao. Son cou, il est chaud, c'est un bouc chaud. Lui, c'est un bouc nerveux. Petite veste, à sa brille de 500. Oh là là, la paire de mocassins. Pour abattre, hein. Ah, Charlie Chaplin, il avait les mêmes. Oh, j'avais pas vu les lunettes Carglass. Carglass répare, Carglass rend. J'avais pas vu. Oh là là, il est là pour abattre. Oh, lui aussi, hein. Petite veste en cuir. Petit truc dans la main, là et tout. J'aime bien le petit jean serré, taille haute. Pas mal. Sylvain vient tout juste de démarrer. Ah ouais, hein. Mais Anaïs. Ah ouais, le bolide. Ils ont dégainé la meilleure chop. Guettez la chop. Guettez la chop, pao. Une porte. Oh non. Tu vas aller derrière, tu passes par devant. Mate les gens, pao. Les gens en mode gruyère, v'là des trous. J'arrête, c'est bon, pardon. Tiens, c'était les voitures à l'époque. Mais Anaïs, trop anxieux, l'appelle. Mais déjà? Mais il est à peine parti. Tu sais où tu vas, tu m'appelles. Tu vas le suivre? Non. Eh, même la cousine, elle était belle en mode wesh, mais tu joues à quoi, gros? Elle en mode putain, elle doit vivre un enfer. Oh là là. Mais elle ressemble à Macron là, elle ressemble pas à... Oula, t'as des dents bien pointues. Tu sais, tu manques un bout de dents.
Ah non, elle est même pas tombée, la petite souris, elle est déjà passée. C'est une dé, wesh. Alors que Sylvain savoure ses premiers instants de liberté, Anaïs est déjà sur ses traces. C'est baisé, les gars, c'est mort. Elle est partie à sa recherche. C'est mort, les gars. Regardez son cousin, il a dégainé la canne. Il boite pas, hein, ça c'est faux. C'est vraiment faux, c'est juste pour le style. Hein. Ah oui, oui, oui. La grave formale, ses deux chevilles, elles vont très bien, vraiment. Ouais, mon cœur, t'es où là? Bah ça y est, là, je suis arrivé à Martigues. Eh bah, tu pouvais pas m'appeler? Oh, pour Anaïs, là, les gars, ça va péter. Oh là 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 là. Minute passe. Attends, je le rappelle. Encore? Tu l'as appelé il y a 3 secondes! Anaïs! Mais t'es l'intérim, t'es qui? T'es qui? J'ai pas compris là! T'es où là? Ouais, je suis sur une terrasse. Il va donc adopter une autre attitude, la provoquer. Non, non, non. Sylvain, si tu la provoques, c'est fin du couple. Lala, elle va se transformer en Super Saiyan God 6 avec Vlad des cheveux, C'est mort! Y'a qui autour de toi? Y'a des femmes ou pas? Des bombières. Ouais, y'a 2 blondes et 3 brunes, voilà. C'est mort. C'est mort. Au lieu de faire non, il y a personne. Tu rassures ta copine. Non, il a fou dans la merde. Ils sont grave mignonnes. Ils sont mignonnes, mais je te jure, de toute façon, j'arrive. Là, Sylvain. Ah là là là, toi tu joues, hein. T'aimes bien jouer, hein. Faut que j'arrive. Non, sérieux, viens pas. Bah ouais, mais toi aussi, Sylvain, tu veux pas Kevin, regarde ce que tu lui dis. Il y a des filles à côté de moi, elles sont mignonnes. Ah non, tu m'étonnes qu'il y a des boules. Eh viens, on va s'afficher. Là, si elle vient, là. C'est un bouc zère. Lui, c'est un bouc. Là, voilà, les gars. Lui, là, bouc d'oreille, lunettes, tout coupe comme ça. Ah, logo B. Ah, oui, oui, oui. C'est la méga, méga, méga 14. Et en plus, guettez comment il fait le bouc. Ah, non, je suis éteint. Il a même pas enlevé l'étiquette de son écharpe. Ah, lui, il a de l'argent. Ah, lui, il dépense. Hein. Tu me coupes. Mais lui, il ressemble à Macron, wesh. Non, les gars, attends, non, les gars. En vrai, de vrai, il ressemble à Macron. Je suis pas fou. Ça, c'est Macron, ça. Je connais mon président. Je connais le président de la France, quoi. Putain, il y a du monde en plus. Oh, Anaïs, pitié, fais pas de scandale. S'il te plaît. Scandale, s'il te plaît. À mon avis, commence à boire ton verre. C'est un conseil. Il a l'habitude de fou. Bon, allez, je te laisse, ça me saoule d'être au téléphone. Je vais le démarrer, cet enculé. Ah, c'est bon, tu fais un de ma gueule là. Wesh là. Comment tu dis deux fois le mot gueule en 2 secondes, wesh? Ah, les gars, là, ça va péter. Péter. Oh la démarre. Ma gueule là, en plus tu te mets juste à côté des tables là, tu pouvais pas te mettre devant là. Bah ouais, mais Anaïs, il va pas se mettre au bout tout seul. Il va pas entendre la musique. Il va. En fait, pour Anaïs, elle veut que Sylvain il aille au bar, mais de chez lui. Il est en FaceTime, tous ses potes ils sont au bar, et lui il est en FaceTime chez lui comme ça. Oh, et... Mais attends, mais ça c'est la doudouna Nino, ça. Assieds-toi, fais pas scandale ici. Hein. Ça là, c'est la doudouna Nino, non? Ah ouais, ça écoute dans le Banks to Banks. Ah ouais, méchant. En plus, j'ai la cote en fait. Eh, ferme ta gueule, ouais. Regardez devant moi déjà, tu me respectes. Wesh, guettez comment ses yeux ils sont écarquillés, comme ça. À la diforme de gueule, tout, tu de gueule, tout. Sylvain, il cherche. Sylvain mérite 2 gifles. Ah ben j'ai la cote. Tiens, paf sur le côté, gros. Tu me respectes, là. T'arrêtes de regarder. Tu vas pas où, là? Tu vas pas où, là? Non, mais c'est bon, là, il m'a énervé, là. Qu'est-ce qu'il fait, ça, devant mes yeux? Ouais, pas une fois, pas une fois. Ah oui, si vous me voyez taper ma tête, c'est parce que maîtresse, elle me gratte. Voilà, aparté. Le jeune homme la pousse à partir avant que la situation ne dégénère. Quittez-vous! Non, je m'en vais pas. Quittez-vous! Mais quittez-vous! Pitié! Allô? On y va? Non, je reste avec mon cousin! Oh non! Mais non, Anaïs! Mais non! Oh loulou! Je comprends pas que je souffre avec cette connerie là! Il est là avec son cousin en train de tranquille, en train de mater, en train de boire, et voilà, comme d'habitude, pour des soirées toujours pareilles. Elle m'a fait de la peine, je la comprends. Non, non, je change de côté. Je suis du côté d'Anaïs. Oui, oui, j'ai retourné ma veste. Mais comprenez là aussi, son gars, il va en boîte. Moi, je suis pas du genre, j'ai une copine, je vais en boîte. Non, les boîtes, c'est ciao. Je me propose Squeezie, c'est ciao. Tu es cringe? Moi, déjà, je suis jamais allé en boîte et j'irai jamais. J'irai jamais. Votre endroit là, où ça boit, où ça fume. Ça, c'est pour les gens qui savent pas profiter de la vie. Oh, moi, je profite de la vie. Voilà, profite de la vie, quoi. Tiens, un petit verre. Ici, on profite de la vie en jouant à Valorant, en puant bien chez nous. Alors, on sort pas, on joue, on pue. Là, je suis en train de tourner une vidéo. Ça pue, ça sent. Il y a un bout qui rentre, il s'évanouit. C'est sûr. Pardon. Là, il m'a déçu, là. Oh, la voiture. Après le départ. Oh, la voiture feu rouge. Oh, putain. Oh là là, le bolide purée. Mais les gars, en fait, pourquoi vous prenez des voitures rouges? Les bases des voitures, c'est quoi? C'est noir, gris et blanc. Même si blanc. Mais les gens qui prennent des voitures bleues, vertes, rouges, vous avez 5 ans. Pour moi, ceux qui prennent des voitures de couleur, vous êtes immature. Oh, la théorie trop nulle, putain. Non, allez, vas-y, s'il te plaît, bébé. Arrête, y'a un numéro là qui défile ou je rêve? Vous êtes extrêmement jaloux. Votre conjoint ne le supporte plus. Tu voulais pas rester à Martigues? Contactez-nous. Mais c'est bon, on a bu un verre, machin. Bah, allez-y. Ceux qui sont jaloux, contactez. Hein. Je veux pas que tu me touches, d'accord? C'est fini là. Hey, quittez-vous, pitié. Je pense. Hein. Je dis pas ça pour être méchant, je dis ça pour le coup. Quittez-vous. Et je pense qu'on est tous d'accord. Ce soir, Anaïs s'endormira seule. Arrête, pleure pas, je vais pleurer.
Voilà, ça y est, je pleure. Ils sont toujours humiliés, toujours rabaissés, j'en ai marre. Couple serré. Je pleure, hein, les gars. Moi, j'ai... Là, vous voyez pas, mes yeux sont humides, je pleure. Moi, j'ai la larme facile. Oui, c'est bon. On peut pleurer. Un homme pleure. Un homme pleure. Il n'y a pas que les gens tristes qui pleurent. Je suis finito. Que ce soir, le programme est risqué. Anaïs et Sylvain ont accepté d'accompagner leurs amis en boîte de nuit. Oh purée. Ah, ça là, c'est le top des trucs qu'il fallait pas faire. En plus, avec lui là, avec lui, ceinture. Guettez le regard de prédateur. Il est vrai. Je parle à mon cousin. Wow! À quel moment? Ah non, là. Allez, je te suis pas là. À quel moment regarder une meuf là? Ses yeux sont là. Ses yeux sont. Bon, il regarde la bouche de son cousin, c'est pas grave, c'est pas grave. À quel moment regarder une meuf là? Non, Anaïs, t'abuses. Non, tu sors pas maintenant. Il y a trop de sang. Oh! Ton langage, Anaïs. Wow! Chill, relax. Il y a trop de sang, je m'en vais. Tu retournes ta table. Là, c'est vrai que Sylvain a regardé. Sylvain, ses yeux sont là. Il y a qui ici? Ah, Sylvain, j'ai vu, je t'ai gravé, je t'ai rodave, Sylvain. Tu tournes le doigt, tu manges. Wesh, mais gros, attends, elle fait 1m combien la meuf là? Tu tournes le doigt, tu manges. Elle fait 1m combien là? Elle fait, wesh, mais gros, elle fait 3m6. Guettez sa tête là, et guettez sa tête à elle, elle touche le plafond. Là. Anaïs contrôle chacun de ses faits et gestes. Arrête, ça lui a mis le micro dans les fesses. Oh purée. Yes! Les gars, dans le groupe, c'est du respect. Y a pas d'insultes, pas de gros mots. Voilà. C'est votre copine, ce n'est pas votre copain. Voilà. Ne parlez pas à votre copine comme si vous parliez à votre copain. Et inversement. T'as capté? T'as vu, on rigole, mais c'est du second degré. On est là pour rigoler. On est là pour chill en van. L'autodérision. Non, c'est pas le bon mot. C'est du second degré. Bref. À travers chaque vidéo, il y a une leçon. On essaie de faire passer des messages. Tous les soirs avant de dormir, Luxa, Lina, dans mon caleçon, un orphelin. Embrasse. Ouais! Elle lui a dit embrasse-moi, elle a même pas fermé les yeux, elle a embrassé comme ça. Guetté. Elle a même pas fermé les yeux, comme ça. Tu regardes la bouteille. Oh, mais non, mais c'est, en fait, c'est triste. C'est triste des deux côtés, en fait. C'est vraiment triste des deux côtés. Tu vas aller danser, tu nous regardes. Tu regardes pas les autres. Wesh, elle a dit je vais aller danser, tu regardes moi et pas les autres. Mais pourquoi tu le laisses pas danser lui? Attendez, ça me gratte. Aïe, aïe, aïe. Ah, avoir des tresses, c'est une souffrance. C'est bon. Regarde une autre meuf, je dis direct, on se casse. Mais arrête de lui parler. En fait, ça se trouve, tu pues de la mouche. Là, il se dit, ouais, ok, ça va. Là, elle parle, ça sent toute la tête. Regarde-moi quand je te parle, il est maquillé. En fait, pour Anaïs, si Sylvain ne la regarde pas, il regarde des fesses. Là, des fesses. Ouais, je guettais comment elle danse. En mode, moi, je peux danser, et pas toi. Je peux danser, pas toi. Ah, c'est B, le pauvre. Ah, mais c'est un pointeur, j'avais oublié. Non, bien fait, gros. Là, ouais, là, je suis fatigué. Ça fait déjà un bon moment que j'en ai marre, mais aujourd'hui, on a atteint son moment. Tu vois où là? Je suis fatigué. Ah, c'est fini. Que dire? En fait, dans cette vidéo, il... Eh, fais tomber un truc, je vais te niquer. Je vais te niquer, hein. Tu veux monter en haut? Ah les gars, le verdict c'est que là, y a aucun sens. Anaïs, elle a pas compris son problème. Et Sylvain, il joue de ça et tout. La vidéo c'est du grand n'importe quoi. C'est vraiment une dinguerie. Les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'hab, je vous ai dit, vous abonner, liker. Mettez en commentaire le mot citrouille. Voilà, mettez en commentaire le mot citrouille, je suis habillé en jaune. Ah ouais, guettez le flocage. Patas en tout bregado, s'il te plaît, à la maison. Bref, les gars, passez une excellente soirée, journée. Ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo ou nuit. Bisous.